Bonsoir, Mme Senneville. Bonsoir. On va parler de la grève avec vous. On va parler du projet de loi 15 qui a été adopté également en fin de semaine. Mais sur la grève, sur les négociations, à ce point-ci, comment vous qualifiez l'état des négociations avec le gouvernement? Ça avance lentement. On garde encore espoir d'avoir un règlement d'ici la fin de l'année, cette année-ci. Oui, oui. Est-ce qu'il faut se préparer, cela dit, à une grève générale illimitée? Est-ce que c'est le genre de proposition qui sera à l'ordre du jour lors des réunions du 18-19 décembre? Bien, la première chose qu'on va faire 18-19 décembre, c'est faire le point sur la négociation. Parce que notre mobilisation est là pour appuyer la négociation. Donc, ça va nous permettre de faire ça avec nos membres. Le mandat que le Front commun est allé chercher, c'est des mandats de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Alors, on verra selon l'état des négociations, mais nos équipes travaillent fort en ce moment. Est-ce qu'on s'en va vers la grève générale illimitée? Tout va dépendre des prochains jours. Est-ce qu'on pourrait... Tout va dépendre des prochains jours, parce que qu'est-ce qu'on aura en main pour présenter à nos syndicats les 18-19? Je dirais de trois choses l'une. On a une entente. On n'a pas encore une entente, mais on est proche et on garde encore espoir. Ou c'est impossible et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire tout le monde ensemble? Êtes-vous prêt à négocier durant le temps des fêtes? Ah oui, 24-7. Durant le temps des fêtes? Ah, s'il le faut, on en négociera comme... J'imagine que de part et d'autre, là, honnêtement, là, même du côté du gouvernement, je ne suis pas sûre qu'on négocie le 25 décembre à 8h du matin, là, mais entre Noël et le jour de l'an, s'il faut qu'on négocie, on négociera. Là. Cela dit, en ce moment, est-ce qu'on négocie 24-7? Oui et non. Parce qu'il y a plusieurs tables sectorielles. Alors, oui, il y a beaucoup eu de négociations. J'ai eu une des tables, j'ai eu un rapport, puis c'était, bon, ben, on n'a pas négocié dimanche parce qu'on a négocié très fort la fin de semaine et à un moment donné, les équipes ont besoin de repos. Là. Donc, je ne sais pas si c'est 24-7, mais quand on regarde l'ensemble des tables sectorielles et la table centrale, il y a de la négociation tous les jours. Est-ce qu'il est possible qu'on passe le temps des fêtes et qu'à la rentrée au début janvier, qu'il y a encore des grèves? Bien, s'il n'y a pas d'entente. On est prêt à ça. Les Québécois doivent se préparer à ce qu'il y ait encore des grèves en janvier. Bien, je dirais d'abord les syndicats et les syndiqués. mais c'est eux qui vont nous le dire. C'est avec eux qu'on va faire le point le 18 et le 19. Alors, le mandat de grève, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. C'est chacun des 420 000 membres du Front commun à bulletin secret, tel que le prévoit le Code du travail. Donc, c'est eux qui vont nous dire. Mais moi, je peux vous dire, je suis en Abitibi, là. C'est pour ça que je suis pas chez vous en ce moment. J'ai fait la tournée des lignes de piquetage en Abitibi, cégep, centre de services scolaires, les écoles, puis tout ce qui est santé et services sociaux. Et malgré le froid abitibien, les gens sont bien mobilisés. Mobilisés, un peu fatigués, inquiets, comment vous les sentez? En fait, ils sont préoccupés par l'état des services publics depuis longtemps. Alors, c'est ça qui les inquiète. C'est est-ce qu'on va me donner les bons outils pour que je puisse continuer à travailler? Des ouvriers spécialisés, par exemple. Je vous donne un exemple. Un ouvrier spécialisé gagne facilement 25 % de plus demain matin, en allant dans le secteur privé et dans le secteur municipal. Alors, on a bien beau lui dire, « Ah oui, mais tu as un bon fonds de pension avec le REGOP. » Bien, ils ont des bons fonds de pension aussi au municipal. Ouais. Alors, donc, et puis est-ce que ça vaut 25 % de mon salaire? Alors, ces gens-là sont vraiment en attente de voir ce qu'il y aura pour eux. Puis, c'est un peu bête parce que, je pense, dans le cas des ouvriers spécialisés, là, la sous-traitance coûte plus cher que de bien payer les ouvriers. Alors, on ne comprend vraiment pas que ça soit difficile. Quand la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, dit que les demandes syndicales sont encore beaucoup trop élevées pour être réalistes et pour répondre à toutes les revendications, il faudrait doubler l'offre actuelle de 9 milliards de dollars, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah, je savais, je l'avais vu venir, cette question-là. Si j'étais... Bien, être réaliste et raisonnable, là, est-ce que ça veut dire vider les services publics? C'est là où on en est rendu. Nous n'attirons plus et nous ne retenons plus les gens dans le secteur public. Alors, ce n'est pas une question d'être réaliste et raisonnable juste en termes d'argent. Est-ce qu'on peut être réaliste et raisonnable et donner ce qu'il faut aux services publics pour qu'on donne les services à la population?
Parce que des gens qui quittent la journée où ils ont le droit à une retraite puis ils vont travailler ailleurs, des gens qui quittent après 5-6 ans de précarité puis qui disent « Mon Dieu, j'ai pas d'avenir dans les services publics », des gens qui quittent en congé de maladie parce qu'ils sont épuisés, il faut comprendre que moins on attire de monde, bien, plus la charge de travail est importante chez les gens qui restent. Alors oui, les conditions de travail, oui, la flexibilité. Puis la flexibilité, je vous dirais, c'est un tango qui se danse à deux. Ouais. Oui, de la flexibilité pour nous, mais de la flexibilité du côté de l'employeur aussi, notamment en termes de conciliation travail-famille. Puis, bien, ça prend des salaires pour attirer les gens. Vous représentez 125 000 personnes dans le secteur de la santé, des services sociaux. Il y a eu adoption samedi matin de la réforme de la santé sous le baillon à Québec. C'est fait. On va de l'avant avec ce projet de loi 15. C'est le projet de M. Dubé. Vous étiez contre ce projet de loi-là. Rappelez-nous pourquoi. En fait, on a l'impression de jouer encore une fois dans un mauvais film. Après la réforme Couillard, après la réforme Barrette, allez hop, une autre réforme administrative. Puis justement, j'étais sur la ligne de piquetage, là, puis j'entendais des gens qui me disaient « Je peux pas croire que je vais passer à travers une troisième réforme, un troisième bardassement des structures, parce que derrière les structures, il y a des gens. » Alors non, c'est plus de centralisation, la porte ouverte à plus de privatisation, moins de démocratisation aussi du système de santé. Ça fait trois bonnes raisons pour vraiment ne pas être d'accord, je vous dirais, avec la majorité des éléments. Là, on peut comprendre que notre système de santé ne donne pas ce qu'il doit donner et qu'on puisse réfléchir, mais ce projet de loi-là mammouth, 1200 articles, à peu près autant d'amendements, encore une fois votés sous le baillon, ça en rajoute une couche pour chez les gens qu'on représente dans la santé, de se sentir vraiment pas écouté. Mais maintenant, c'est adopté. Vous allez collaborer, en quelque sorte, pour que ça soit mis en place, les changements? Bien, en fait, le ministre a dit en commission parlementaire qu'il était même prêt à revoir certains aspects de sa loi si ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à parler avec tous les gens à qui on a à parler pour mettre de l'avant les solutions qui, on pense, nous, vont marcher. Donc ça, on va toujours continuer ça. Okay. Puis après ça, bien, on va faire ce qui est possible de faire. Dans tout ça. Madame Senneville, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.